Coucou, c'est encore moi! Dans cette vidéo, je vais te montrer ce que c'est une horloge et comment c'est fait. Tu te souviens de l'horloge que nous avons dans notre classe? Elle est comme ça, regarde-la bien. Qu'est-ce que tu vois? Il y a des chiffres. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12. Et il y a aussi des petits traits. Regarde, tu vois tous ces petits traits qui font tout le tour du cadran? Les chiffres montrent les heures, 1 heure, 2 heures, 3 heures, 4 heures. Et les petits traits montrent les minutes. Si on compte chaque petit trait, on va arriver à combien de minutes autour de l'horloge? On y va? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60. 60 petits traits pour 60 minutes. 12 heures et 60 minutes. Qu'est-ce qu'on voit d'autre? Il y a aussi trois aiguilles. Regarde, une petite aiguille noire ici, une grande aiguille noire et une grande aiguille verte. La petite aiguille noire montre les heures, la grande aiguille noire montre les minutes et la grande aiguille verte montre les secondes. Et voilà pour la présentation de l'horloge.